Anne, la chatte snob. Et voilà, un autre sac en plastique rempli de déchets triés, bon pour être jeté à la poubelle. J'ai trouvé des parapluies cassés, ça c'est pour le recyclage. Recycler? Bien sûr, Pilou. Tu devrais prendre exemple. C'est important de trier ce qu'on n'utilise plus. Comme ça, c'est récupéré, ça peut être utile à fabriquer d'autres choses. Ça ne sert plus à rien, un parapluie tout troué. Si, ça peut encore servir. Mais quand il ne pleut pas. Merci, Milady. Si tu as terminé de trier, je te propose une petite promenade jusqu'aux poubelles. Tu peux y aller. C'est épouvantable cette odeur. Qu'est-ce qui sent comme ça? Oh, pauvre de moi, pauvre de moi. C'est gaz, le chat puant. Je suis si triste. Allez-vous-en. Laissez-moi seule avec mon chagrin. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je souffre tellement, vous n'imaginez pas. Oh oui, je souffre à un point, les amis. Qu'on me laisse tranquille. Au revoir, les mystichats. C'est affreux. Oh, ça oui, tu l'as dit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il arrête tout ce bruit? Qu'est-ce qui t'arrive, Gaz? Dis-nous ce qui va pas. Non. S'il te plaît, Gaz, allez. On est tes chamis. Tu peux tout nous dire, vas-y, on t'écoute. Bon, d'accord. Mon problème, c'est Snobine. La nouvelle chatte du quartier, elle me plaît beaucoup. Elle est tellement adorable, tellement jolie, intelligente. Et surtout, son parfum est tellement exquis. On est trop différents, ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas dire ça, Gaz. La voilà qui arrive. Je crois que Gaz a raison. Cette chatte est beaucoup trop différente de lui. Ça n'a pas d'importance. Comme on dit, la fourrure ne fait pas le chat. N'aie pas honte de toi et sois toi-même. Je suis d'accord. Va à sa rencontre et fais-lui un beau sourire. Mais avant ça, il faut que tu prennes un bain. Un bain? Où est-ce qu'il se cache? Là-haut, regardez. Il a laissé son odeur dans le nichoir. Allez, Gaz, descends. On va te débarrasser de ton odeur. Non, je n'ai pas envie. Je l'aime bien. Tous les deux, on est inséparables. Je vais m'occuper de toi. Préparez le bain. Allez, Gaz, descends. Ce n'est que de l'eau et du savon. Ça n'a jamais fait mal à personne. Terminus, plonge. Jamais de la vie. Je suis sûre que tu vas plonger. Les chatons. Coucou mes chatons, où êtes-vous? Oh mes trésors, vous voilà. Vous jouez, c'est ça? Gentils petits anges, amusez-vous bien. Oh, j'allais oublier. Le déjeuner est presque prêt. Et voilà, ça recommence, il s'est envolé. Il n'a pas pu aller loin. Si mes mousses
moustache ne se trompe pas, il est par là. Il est dans notre repère. Merci mes moustaches. Oh. Milady, cherche à gauche, Pilou, à droite. J'abandonne. Oh, je suis épuisée. Un mystichat ne baisse jamais les pattes. Ou alors seulement pour les pauses déjeuner. Mes chatons, petit, 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 venez par là. Le repas est prêt. Des bonnes pâtes, comme vous les aimez. Vous allez être encore plus en forme pour vous amuser. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina. Concentré d'énergie, rempli de vitamines. Servi fumant sous le ragoût. Le ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. C'est le moment de te faire tout beau. Tu veux te voir? Regarde, maintenant tu as le poil luisant et tu sens bon. Waouh! Attendez, c'est bien moi. Oui, tout beau, tout propre et enfin prêt à rencontrer Snowbean. Oh, justement, la voilà qui revient. C'est l'occasion de tenter ta chance. Il faut juste que tu aies le sourire. Et un joli bouquet de fleurs. Tu as tout ce qu'il te faut. Maintenant, Gaz, à toi de jouer. Ne sois pas timide, allez. Bonjour, Snowbean. Oh, ces fleurs, c'est pour moi. Vous croyez que ça marche? Oui, j'ai l'impression. Ils vont bien ensemble. Bon appétit, ma jolie. Partage avec les autres chats. C'est comme ça qu'on fait avec les amis. Voilà. Mes chers chamarades, le chef va vous épater avec sa cuisine raffinée. On devrait peut-être les laisser seuls, tu ne crois pas? Oh, attendons encore un peu, je me régale de les voir si heureux. Tout est bien qui finit bien. Gaz a changé, on dirait qu'il n'est plus le même. C'est devenu un vrai chat classe. Il faut dire qu'un dîner au restaurant de Marmita, c'est drôlement chic. Merci. Si tu veux bien m'excuser. Oh, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Ah, voilà ma boulette de viande. Oh, non. Oh,
Oh, dis donc, tu pourrais pas faire un peu plus attention, s'il te plaît? Le désastre intégral, il est tellement maladroit qu'il a tout gâché. Tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Il ne peut pas s'empêcher d'être le chat puant. Désolée. Alors, tu n'es pas en colère? En colère? On m'a appris que tout devait toujours être en ordre. Mais c'est bien aussi de se lâcher de temps en temps. Oui, comme les bains, c'est bien d'en prendre un de temps en temps. Chaud devant. Je crois que le dicton a raison, la fourrure ne fait pas le chat.